Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire que j'aime bien parce que à chaque fois nous parlons bien évidemment des dernières nouvelles du projet, nous parlons de comment faire partir de ce projet magnifique. Alors je suis Donatien Gérard comme d'habitude et je suis depuis 2018. Alors, dans ce webinaire, alors, nous aborderons les sujets suivants. Nous commencerons bien évidemment par comme d'habitude. Ensuite, nous parlerons des facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons ensuite les problèmes et les risques du système de transport actuel et nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport innovant, U-Sky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et enfin, nous parlerons des avantages et des perspectives, des bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, prenez une chaise, nous allons commencer tout de suite. Nous commençons par cette grande nouvelle qui permettra encore une fois de plus aux partenaires du projet d'avoir plus de parts. Obtenir un escompte accru avec un pack à tempérament Join 24. Alors, il s'agit ici d'une offre qui prend fin dans 10 jours. Tout le monde peut avoir accès à cette offre dans son back office. Effectuez tous les paiements à tempérament de $500 en 24 heures et obtenez plus de parts. Pour les prochains packs payés à tempérament Join 24, un escompte accru s'appliquera également. Voici les conditions de participation donc à cette offre spéciale. Vous pouvez profiter de l'offre Join 24 de deux manières. Premièrement, vous pouvez obtenir plus de parts pour les paiements de packs rapides. Si vous effectuez tous les 5 paiements de $100 en 24 heures, vous obtiendrez
des parts avec un escompte plus élevé et débloquerait également un escompte plus élevé pour le prochain pack Join 24. Exemple, l'escompte initial sur l'offre Join 24 est 1 sur 40. Pour le premier pack, autant pour moi, pour le remonter, vous devez acheter le premier pack, payer par mensualité et effectuer tous les paiements dans les 24 heures. Ensuite, pour ce même pack, vous recevrez des parts avec un escompte de 1 sur 45 et pouvez acheter le prochain pack de la même manière avec un escompte 1 sur 45. De même, l'escompte peut être augmenté de 5 unités pour chaque pack suivant l'offre Join 24 que vous payez en 24 heures. L'escompte peut être augmenté jusqu'au maximum 1 sur 50. Une autre partie consiste à obtenir des parts avec un escompte progressif pour les paiements à tempérament sur 5 mois. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les paiements dans les 24 heures pour ceux qui n'ont pas la possibilité. Si vous le souhaitez, le pack peut être payé tout pour les 5 mois avec un escompte progressif. Cela signifie que vous recevrez des parts en fonction du nombre de paiements, mais rassurez-vous de le faire sans retard. Un pack de 500 dollars ici vous offre 20 000 actions. Imaginez, le pack de 500 dollars classique vous offre uniquement 12 000 parts. Mais grâce à cette offre, vous avez 20 000 parts. C'est énorme. Alors, si quelqu'un veut prendre un pack de 1 000 dollars, par exemple, il serait judicieux pour lui de prendre un pack Join 24, prendre le premier 500 dollars, ensuite prendre le deuxième. Tu lui offriras, celui à lui, 30 000 parts au lieu 28 000 parts pour 1 000 dollars. Eh bien, maintenant, des hommes d'affaires ghanéens ont testé le transport à cordes à Sharjah. Le centre d'essai de la technologie à cordes de Sharjah a été visité par le docteur Charles Garten Assafa Ajay et Madame Evelyn Lia Gyamfua de Assafo Ajay. Les clients dirigent la société ghanéenne de services d'infrastructure FAS Company Limited. Le premier arrêt de la visite a été la gare voyageur. Ici, les hommes d'affaires ont vu la présentation d'un Nika tropical certifié qui est conçu pour les régions avec des températures allant jusqu'à plus de 55 degrés Celsius. Pour tester le transport dans la pratique et évaluer le confort du salon, les délégués ont effectué un court voyage d'essai. Alors que le transport se rendait à la station-service, les représentants du centre ont expliqué aux invités comment le remorquage des voitures se fait en cas de panne, ainsi que l'évacuation des passagers en cas d'urgence. Les hommes d'affaires eux-mêmes ont noté l'écologie de la technologie. Après le voyage, les délégués ont visité la salle de contrôle à partir de laquelle une personne peut contrôler plusieurs matériels roulants. L'opérateur mécanicien a montré que le système de contrôle est facile à utiliser et fonctionne sans aucune défaillance. Ensuite, les invités ont vu le phare du projet, un modèle à grande vitesse de transport à cordes. Cette machine est équipée d'un salon VIP à 6 places et peut accélérer jusqu'à 500 km par heure sur les routes interurbaines. Une grande conférence régionale Skyworld Community s'est tenue en Serbie. Les représentants de Skyworld Community ont organisé une conférence régionale en Serbie, au cours de laquelle ils ont expliqué ce qui fait du transport à cordes une technologie unique et comment soutenir le développement du projet. L'événement a eu lieu à l'université ouverte de Subotica et a rassemblé 110 personnes. Et la plupart des invités ont appris sur le projet récemment. Partenaires Skyworld Community de Serbie ont également participé activement. Christian Spariosu, superviseur régional de Skyworld Community en Serbie, et Balint Varga, superviseur régional en Slovénie, en Croatie et en Macédoine du Nord, ont pris la parole lors de la conférence. Après la réunion, les auditeurs ont été impressionnés et encore plus intéressés par le projet. Maintenant, les organisateurs sont confrontés à la prochaine tâche, sélectionner les offres d'investissement appropriées pour les participants. Les jeunes talentueux des Émirats arabes unis
ont apprécié le transport Accord à Sharjah. Le centre d'essai de transport Accord de Sharjah a été visité par des membres de la fondation Ruby Khan qui s'occupe du développement des jeunes talentueux dans les Émirats arabes unis. La délégation était composée de plus de 30 personnes. La visite du centre a commencé avec le siège du projet aux Émirats arabes unis. L'exemple de ce bâtiment montre ce que peuvent être les bâtiments résidentiels d'une ville linéaire. Sa maquette a particulièrement plu aux invités. Après cela, les délégués ont vu le produit phare du projet, bien évidemment le transport à grande vitesse qui peut accélérer jusqu'à 500 km par heure sur des routes interurbaines et internationales. Nous parlons du transport à cordes ici. Il s'agit d'une solution unique au problème que rencontre le transport actuel. Il s'agit d'un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, une usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit ici déjà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sur les roues, et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation ici, les embouteillages, nous est déjà familière, quel que soit le lieu, le pays dans lequel nous vivons dans le monde, sur cette planète. Nous sommes confrontés au problème d'embouteillage. C'est un problème typique au transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Et les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, le trafic dense des routes de transport ainsi que la mort des personnes causées par le manque de sécurité du système de transport utilisé, les systèmes de transport actuels. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise est un poison pour la nature. Clairement, elle ne peut plus résister. Ainsi, le troisième problème majeur de notre époque est celui de la pollution de l'environnement. Comment résoudre ce problème? Nous le verrons tout de suite grâce au système de transport U-Sky. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie des véhicules. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours en Chine, les tramways avec des reçus de toit diffèrent des tramways terrestres en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce système de transport avec le funiculaire ou le téléphérique. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement
Ils sont simplement tirés sur le câble. La voiture du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que YouSky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet YouSky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport YouSky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. Alors, nous avons parlé d'écomaison. Voici à quoi ressemble une écomaison. Ici, nous avons affaire à une image en 3D, mais déjà, cette écomaison est présente au centre d'essai Sharjah et aussi à l'Écotechnopark en Biélorussie. C'est tout un oasis en plein désert. Une autre perspective ici, ou une démonstration de ville linéaire. Avant de continuer, lisons donc ensemble cette assertion de Anatoly Yunitskiy, le concepteur général des technologies de transport à cordes. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, fixons le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. D'accord. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. Ensuite, on peut voir tout cela sur cette image, la construction des routes, des autoroutes, la destruction carrément de l'environnement et aussi pour des voies ferrées. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, seulement à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrain lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on va donc poser le câble. Les supports lourds ne seront donc pas nécessaires à ce moment-là. On les remplacera par des supports légers. Et la prochaine étape consiste à tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports du milieu qui n'étaient pas nécessaires. OK? Enlevons les supports intermédiaires. Et là, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons quoi? Une structure de rail unique. Voici donc en section à quoi ressemble cette structure de rail unique. On peut voir ici la composition et la propriété sur le schéma. Elle est constituée, on voit clairement une tête en acier. On a les cordes qui sont des faisceaux de fils d'acier précompressés. On a un agent de lançage qui est un béton flexible, béton spécial. Ensuite, on a le corps du rail. Le rail à cordes combine les technologies d'un fil flexible sur une grande portée entre les supports et d'une poutre rigide sur une petite portée, sous la roue du véhicule électrique sur rail et au-dessus du support. Regardez. Ici, nous avons les différents types de rails donc qui peuvent être conçus à partir de cette technologie. Sur cette base, il est possible de construire 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Nous commençons par le rail semi-rigide. C'est un rail qui permet de supporter des véhicules allant à une vitesse comprise entre 50 et 250 km par heure. Ensuite, nous parlons du rail rigide. Nous avons des vitesses permises entre 100 et 500 km par heure. C'est ce rail que roulera bien évidemment le rail, l'unibus à grande vitesse. Nous avons aussi le rail flexible,
entre 30 et 150 km par heure. Eh bien, ici, nous avons la conception intérieure. Clairement, nous pouvons voir un convertisseur de tension, un système anti-sortie, un ressort de suspension. Nous pouvons voir aussi des dispositifs d'attelage du secours, une roue moteur. Nous pouvons voir un inverseur de moteur, un radiateur de système de refroidissement et une batterie d'accumulateur. Tous ces éléments sont dans le châssis. Ici, nous avons une vue en profondeur du système anti-déraillement spécial qui est intégré dans le système de transport à côté de la roue moteur. Regardez ici sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui supporte les aubans du vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur à cet endroit de la rivière, qui est environ 600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Une travée, c'est la distance entre deux supports pour le système de transport à cordes. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais plutôt une vraie photo prise en octobre dernier lors de l'Expo Dubaï, en octobre dernier à Sharjah. On voit une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de second niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Alors, la solution la plus importante pour réduire la résistance aérodynamique à l'air des véhicules est de réduire, est d'améliorer son aérodynamisme. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fuites d'air au-dessus du sol, comme vous pouvez le voir, n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Le coefficient de traînée est jusqu'à 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Et voici donc l'appareil qui vient d'être monté sur le schéma précédent en grandeur nature. Cet appareil peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Les différents problèmes suscités que rencontre le système de transport moderne actuel sont la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Ici, donc, sur ces différents histogrammes, on peut voir clairement que le transport à cordes vient résoudre ces différents problèmes. Le transport à cordes que Yuskaï offre un peu en vert. Nous avons donc la confirmation que la technologie de transport à cordes est la plus optimale en termes de coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident du transport. Le graphique montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et ce tableau montre clairement une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois projetés et même opérationnels. Le transport à cordes est près de 10 fois inférieur. On se rend compte ici par rapport aux autres systèmes de transport, les plus modernes, je précise. Alors, le transport à cordes Yuskaï, le deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique, surtout écologique. Eh bien, tout le monde peut participer à ce projet, tout le monde peut investir.
Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique a été mis sur pied par Skyward Community pour permettre aux gens de payer sur 5 mois leur package. Ainsi, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le projet aujourd'hui, y compris des hommes d'affaires, des ingénieurs, des enseignants et des personnes de différentes professions réparties dans plus de 200 pays partout dans le monde. Alors, quelles sont donc les perspectives d'investissement qui s'ouvrent à vous? Qu'est-ce que vous gagnerez en participant à ce projet aujourd'hui? Premièrement, des dividendes. De tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera, les bénéfices, 20% seront répartis entre tous les actionnaires de ce projet, chacun en fonction du nombre d'actions qu'il détient. Deuxièmement, le rachat d'actions. La société peut décider de racheter les parts des investisseurs. Elle l'a déjà fait en 2018. 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de vendre leurs parts à un montant allant à 10 fois le montant. Troisièmement, l'héritage. Les actions que vous avez sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants en héritage. Quatrième élément, la bourse. L'entreprise peut prévoir plus tard une entrée en bourse et le minimum prévu, c'est 1 dollar par action. En ce moment, vous pourrez donc décider de revendre vos actions sur le marché boursier et vous faire beaucoup d'argent. Imaginez, vous avez 1 million d'actions, ça vous fera en cash une valeur de 1 million de dollars. Ici, nous avons l'auteur du projet. C'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction, des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. Il est créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport d'infrastructures basés sur la technologie à cordes. Il est chef de projet de l'ONU en 2000, à 1998 et en 2000, membre de la Fédération de l'espace de l'URSS, bien évidemment fondateur du groupe de société UST et aussi constructeur général de Unitsky String Technologies. Les détails de sa biographie peuvent être trouvés sur son site unitsky.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux et avec des calculs bien détaillés sur la technologie. Alors, ici, nous avons quelques modèles de véhicules pour le transport des passagers. Et ici, ce sont quelques images de ces modèles de véhicules en grandeur nature. Là, nous avons quatre modèles de véhicules pour le transport des passagers qui ont déjà été mis sur pied et qui sont en test. À Sharjah aussi. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et des routes sans interférer avec les autres moyens de transport. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour le transport à cordes. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fétide du sol. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Au début de 2020, ce transport à cordes a été présenté à plus de 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour, où il a toujours attiré l'attention de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Nous serons encore présents à l'expo InnoTrans Berlin cette année, en septembre prochain. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant le transport à cordes a passé. Les tests peuvent être trouvés facilement sur le site. La technologie du transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets des 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Ici, il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Alors, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unitsky Steel Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure composée des départements, 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a plus de 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises, des passagers urbains et interurbains, comme on l'a dit.
tout à l'heure. L'agent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie. Et chaque année, à l'heure de l'écofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce lieu pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST Inc. UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah, qui va se faire sur 4 étapes. Alors, les photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que ce transport peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Et il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement dans le paysage naturel, comme le fait le métro ou le tramway aujourd'hui ne nous surprend plus du tout. Alors, nous pouvons donc conclure en disant que le transport Yuskaï est un transport innovant. Nous pouvons le voir avec les caractéristiques et le type de transport. Il se place au-dessus du sol à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout environnementally friendly, écologique. Alors, afin de pouvoir vous laisser admirer encore ce système de transport à grande vitesse, je vous laisse avec cette vidéo très intéressante et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain pour d'autres dernières nouvelles du projet. Et comme d'habitude, je suis très content de vous revoir. Bonne soirée, ciao. Thank you.